On a fait tellement de combats ensemble pour que je te laisse comme ça, si près du but. On s'est trop battu ensemble, toi et moi, Kenfak. Tu as sacrifié tellement de choses. Tu as toujours été là à mes côtés. Tu es une grande valeur pour moi. Tu es tout le temps là avec moi. Comment tu veux que je te laisse tomber? Je suis conscient de tout ce que tu as fait pour moi. Je t'aime énormément. On était pour partager le live. Tu es un ange qui m'a été envoyé directement du ciel. Je suis en train de manger. Hein. L'un de mes plats préférés. Avec mon ingrédient préféré à l'intérieur. Vous connaissez mon ingrédient préféré, non? Voilà. Partagez le live. Bipez-moi ma patouchou. Bonjour, Carla Tati Johnson. Connaissez-vous? Je viens de rentrer du travail. Et je suis en train de manger. Ouais. Je vois que la bêtise insiste. La bêtise persiste. Ah, maman, c'est toi qui va. Attaché. Ah oui, maman. Même si Elimba n'est pas totalement sortie de ma tête, je l'ai oublié à 80% déjà. J'ai fait des affaires qui marchaient plutôt bien. Je me suis acheté cette belle maison. Il y a de quoi croquer la vie à plein dents. Je ne sais pas ce qui t'attend. Partagez, s'il vous plaît. Regarde-toi à ton âge. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Et tu crois que la vie a grandi. Il y a 18 ans. Quelque temps après, ton père est décédé. Je n'ai pas pu faire ton enfant. Aujourd'hui, le médecin estime que je suis assez âgée pour faire un enfant. Donc, je m'en moque. Faites monter au macu. Maman, le piment là est bon. Faites monter au macu, pardon. Moi aussi, je vais être mère. Sandra dit quoi? Bonjour, ma rose. Je suis malade. Hospitalisée. Ouais, ma grande, je ne savais pas. Je voulais aller te ramasser. Donc, comme tu me dis là que tu es malade, tu es hospitalisée et tu laisses. Parce que tu m'as targué quelque part, que je voulais déjà te dire que ne me targue plus jamais dans tes conneries. Mais si tu es malade, pardon, c'est ça que je n'aime pas quand tu es malade, Sandra. Si tu es hospitalisé, ça veut dire que ça ne va vraiment pas. Je vais te mettre en prière, je vais faire des prières pour toi, ma chérie, pour que tu sortes te retrouver vite mes neveux à la maison. Ouais, mon beau frère. Heureusement que j'ai lu ton commentaire avant de te ramasser. Je voulais te ramasser. Partager le live. À 50, commence à parler. Je vais parler à Patricia. Parce que je vois qu'elle insiste dans sa bêtise. Elle insiste dans ta bêtise. Merci beaucoup. Ma présidente, tu es un amour. Sandra, laisse-moi des histoires de président. Je ne suis pas ta présidente, je suis ta soeur. Ta présidente, c'est là où tu sors là-bas. Là. À
à cause de ton post sur Lolo. Attends, je demande à Tata Lolo. On prie pour toi. Faites la paix. Avec qui? Est-ce que moi, je suis d'abord en guerre avec quelqu'un? Moi, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Hein? Si les gens ils sont en guerre là-bas, c'est eux qui voient. Moi, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Je t'entendais hier. Je ne suis pas en guerre avec quelqu'un, ma soeur Sandra Chou. Ma Sandra Chou à moi. Je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Je vais juste parler à Patricia. Parce que je vois que elle insiste dans sa bêtise. Parce que ça, je m'aime. C'est-à-dire qu'on vous voit grande. Vous vous dites les intellectuels et tout ce qui va avec. Et vous êtes des lolo dans vos têtes. Ta tête là, c'est la l'eau de la noix de coco qui est là. Toi, ton émission, ton truc, ton événement auquel tu as mis beaucoup d'argent, je peux le dire parce que tu as mis beaucoup d'argent, que tu as organisé avec amour, tu t'obstines toi-même à vouloir le gâter, Patricia. Pourquoi tu es comme ça? On t'a fait ça là-bas au village. Quand tu viens dire que moi je cuisine des crottes de nez à mon mari. Monsieur Ndjike, mon amour de mari, mon chéri, mon maman, que quand j'appelle à n'importe quelle heure, maman, oh, j'ai besoin d'un verre d'eau. Et quoi, il vient me donner ça là. Tu dis que moi je cuisine des crottes de nez. Tu as oublié que. Mon ingrédient préféré, c'est les crottes de nez. Et que j'étais la cuisinière de ton salon Hoche. Et que je suis la seule même qui a honoré ton événement. Michel Ryan avait fait quoi? Patricia Coman, Zegoumen, ils avaient fait quoi? Pourquoi vous avez la mémoire courte comme ça? Hein? Patricia t'aime et toi aussi. Tu dis, maman, je ne suis pas à la recherche d'amour, Sandra. J'ai mes enfants qui m'aiment. J'ai mon mari qui m'aime. D'accord? Je ne suis pas à la recherche de l'amour de Patricia. Mais moi, je ne la déteste pas. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà. Je ne la déteste pas et je ne pourrai jamais la détester déjà parce que nous ne sommes pas parentés. On ne sommes pas amis. Voilà. C'est une sœur camerounaise qui est venue avec un bon projet que moi, Ndale, j'ai jugé que le projet était bien. Parce que moi, je suis là pour promouvoir, c'est tout ce qui est bien. Je soutiens. Quelqu'un fait un événement, même si tu n'es pas camerounais, même si tu es même d'ailleurs, tu fais un événement, tu viens solliciter ma contribution, je vais l'apporter. Et c'est ce que j'ai fait avec Patricia Gemel. Elle ne m'a pas donné un centime là-dessus. Hein. Je suis désolée. C'est moi qui ai mis de mon temps. J'ai mis de mon temps, mon énergie et tout ce qui allait. Voilà, ces billets, je les vendais et je partais, les gens qui avaient pris les billets, je finissais mon travail, je partais récupérer l'argent par-ci, par-là. Elle ne m'a pas payé tout ça. D'accord? Maintenant, je n'attends pas qu'elle soit reconnaissante non plus. Ça ne m'intéresse pas parce que je l'ai fait avec un cœur. Mais si elle est dans sa bêtise où elle n'a pas les limites, Patricia Jumel, voilà. On n'est pas, quand on est grande femme, c'est dans les arts qu'on pose. T'as compris, Patricia Gemel. Voilà. Insulte-moi, dis-moi tout ce que tu veux, mais tu mets mon mari dedans par rapport à quoi? Quand je cuisine les crottes à mon mari. Mais ce que t'as oublié, c'est que mon ingrédient préféré, je ne peux pas faire un repas sans mettre la crotte de nez dedans, parce que c'est ça qui donne un ton à tout ce que je fais. Et mes clients, ils adorent ça. D'ailleurs, tous tes invités du salon Auchan aimé, hein, ils ont adoré. C'est même passé à Canal 2. C'est passé à Canal 2. Tu as oublié quoi? Tu as oublié que je fais partie de. Je suis la cuisinière de ton événement. Hein? Ce que tu avais appelé le best chef. Le concept que tu avais. Comme best chef là. Je suis la seule qui a donné. Qui a fait en sorte que ça soit vraiment le best chef. Que tes deux autres cuisiniers n'ont rien foutu. D'ailleurs,
Chef Ryan était sorti, non, tu te rappelles? Hmm? Elle n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit quoi? Patricia, grandis un peu, hein, s'il te plaît. Il faut grandir. Je t'ai posé une question, je vais te la reposer. Patricia Gemel. La barrière à laquelle tu dis vraiment être honnête, c'était quel genre de barrière? C'était une barrière en tôle? C'était une barrière... Parce qu'il y a aussi les barrières en fleurs. Hein. Vous voyez, il y a les gens qui font les barrières en fleurs. Ou bien c'est une barrière en planche. Parce que je ne pense pas que c'était le genre de barrière en perles avec les fils barbelés. Vous, c'est barbelé. C'est barbelé, là. Je ne pense pas. Hein. Bonjour, Jackie. Je ne pense pas du tout. Parce que là, franchement, tu exagères. D'accord? Tu t'obstines à vouloir toi-même cracher sur ton événement. Tu penses qu'en venant me dénigrer, c'était en paille. Tu as raison. C'était vraiment en paille. En cherchant à me dénigrer que je cuisine des crottes de nez à mon mari. Mais tu fais du mal à qui? À toi-même. Je suis celle qui a cuisiné le ndolé que tes invités au salon ont mangé. Oui, et mon ingrédient préféré, c'est la crotte de nez. Je ne fais aucun repas sans mettre la crotte de nez dedans. D'accord? Parce que ça, je vais mettre. Il faut grandir. Tu es trop décevante. Voilà. Et arrête de te cacher derrière une grossesse pour dire que parce que les gens vont dire que non, c'est parce que tu es enceinte. Il faut arrêter tes conneries. Il y a longtemps, tu es méchante. Voilà. Tu as un fond mauvais. Je ne vais pas passer par 4000 chemins pour te le dire. Ton fond, il n'est pas bon. Oui, je te jure. Je le dis, je le répète, ton fond, il n'est pas bon. Oui, j'ai fait une grosse erreur de casting. Voilà. Pour t'accorder tout mon estime. Mon casting n'était pas bien. Et comme je l'ai toujours dit ici, là, moi-même, je suis chef de mauvais casting. Parce que moi, j'ai l'expression, je prends tout le monde comme moi-même. Je pense que tout le monde est comme moi-même. D'accord? Toi, tu ne mérites pas ma colère. Bonsoir, poupée sanglante. Tu as un problème comme moi. Contre moi. Bonsoir, ma poupée sanglante. Mais arrête un peu. Grandis, ma chérie. C'est-à-dire que tous les grosses bourgeois qui sont là que tu dois clasher. Moi, je vais te donner quelle vue. Moi, tu vois pas ma page. J'ai 2600 abonnés, même pas 3000 abonnés. Tu signes quoi sur moi? Moi, je peux pas te faire la monétisation. Je suis désolée, wesh. Voilà. Et crotte, tout le monde est courant. C'est quelque chose qui peut plus faire bouffer l'argent à quelqu'un. Tu vois, la reine même bio même a déposé ça parce qu'elle a assez bien mangé l'argent sur ça que ça lui donne plus l'argent. Aujourd'hui, elle est sur le gros calibre qui est Lolo. Cherche un autre calibre. Toi, tu t'accroches. Croticrotas. Ça ne donne plus les vues. Ça a donné assez de vues. Malgré que beaucoup ont marié les vues là-dessus, personne ne m'a même rien donné. Hein? Tu t'accroches ou quoi? Hmm? Tu t'accroches sur quoi? Patricia Gemel. Il faut grandir, wesh. C'est trop basse. C'est normal. Là, comme je veux une milliardaire comme toi, dans tous les inbox, en train de faire comme ça. Tu es trop décevante. Goro, je cuisine les crocs de nez, c'est nouveau. Donc, tu pensais que tu as tué. Hmm? Moi, je te rappelle alors que oui, ce jour-là, je t'assure, j'ai mis une dose même dedans pour que ça ait le goût que ça avait là. Une grosse dose, une bonne dose de crotte de nez dedans. Et tous tes invités ont mangé. Ils étaient satisfaits. Maman, il y en a même qui en demandait encore. Tu vois que même, il n'y a même pas un seul qui est resté. C'était même fini, ça, les gens en cherchaient encore. Hmm? D'accord? C'était tellement avec les crottes de nez qu'elle avait mis dedans, maman. Comme c'était l'événement là, je t'explique alors comment j'ai fait. Tous les jours, j'enlevais, comme tu m'avais déjà donné la date de l'événement. Tu avais annoncé l'événement, je crois, en février comme ça là. Même un an avant. Donc tous les jours, j'enlevais les crottes de nez, je gardais. Je les ai bien séchées. Avec une grosse poudre de crottes de nez.
C'est ça que j'ai utilisé comme le manjanga. J'ai mis ça dans le salon aussi. Là. Et puis d'ailleurs, je veux que tu viennes recevoir tes livres. Mon amour. Tu ne me dis pas si je viens ici. C'est Risa. Ibaragi. Qui est ton amour ici? Tu ne me dis pas si je viens vivre ici. Non, tu veux venir manger les côtes de nous aussi? Tu n'es pas au courant? François me fait un coup. Moi, la cuisine à les côtes de nez, c'est mon ingrédient préféré. Voilà. Et les invités du salon haut de Patrice ont mangé ça. Bien même. Faut te ressaisir, hein? Je mêle. Voilà, c'est que Dieu va continuer à t'exposer, tu auras des expositions en exposition. Hein. Faut te ressaisir, hein, ma puce. Moi, je perds ton temps, wesh. Tu me prends quoi? Je ne veux pas clasher avec toi, ma chérie. Tu me forces de clasher, pourquoi? Moi, je n'ai pas envie de clasher avec toi, wesh. Ok. Sandra, tu joues les amours ici avec qui? Coucou, ma Audrey Kouali Chou. Comment tu vas, chérie? Hum? Partout, c'est un gemel. Partout, chou. Merci, Jackie, pour tes 200 étoiles. Merci beaucoup. Margot, j'adore tes rideaux. Ah oui, est-ce que moi, je suis une petite femme? Moi, je n'ai pas les rideaux de... Maman, c'est fermé, poupée sanglante. L'usine des clashs est fermée, maman. Ok. Nadège vous a dépassé. Allez clasher avec Nadège. Nadège à l'heure, c'est là. C'est elle qui est prête pour les clashs. Vous signez quoi sur maman? Nadège, elle vous attend, vous tous. Elle vous met au dos. Mais Patrice, à toi, elle t'a dit que tu dois d'abord accoucher. Toi, tu viens signer sur moi. Quelqu'un te fout, tu signes. Je te fous, tu signes. Je te fous, tu signes, maman. Tu m'as vu là, la sorcellerie. Hey, Bombo, Ewusu. Ewusu. La rose. Avec ça, tu remplis ta fin du mois. Bien. Qu'on ne te fatigue pas les gens. Je te dis qu'elle complète mes fins du mois avec. On ne te fatigue pas les gens avec ça. Car... qui vit avec eux. Merci pour... Oh, Françoise Foncou. Oh là là, merci Françoise Foncou pour les étoiles. Apparemment, tu es l'amoureux de ma Sandra Rose. Merci Françoise Foncou pour les étoiles. Parce que ça, je me... Va répondre à Nadège. Baba, va clasher avec Nadège. Tu as compris, non? Va clasher avec Nadège. Laisse-moi tranquille, pardon. Moi, je n'ai pas ton temps. Je suis trop occupé. Là, tu me vois, elle vient de rentrer. Entre mon travail. Elle doit me lever tôt demain. Parce que demain, elle doit commencer à 9h, puis elle doit être au travail. Entre mon travail, gérer ma maison, gérer mon petit business. Voilà. Je n'ai pas le temps. Maman, toi, tu es milliardaire. Moi, je ne suis pas. D'accord? Quoi, moi, du coup, ensemble, je suis milliardaire, maman. Hein? Tu n'as pas honte de t'accrocher derrière une pauvre femme de ménage comme moi qui se bat. Tu t'accroches toi derrière moi, non, la femme, c'est milliardaire. Hmm? Je suis dans le HLM, hein. Je n'ai pas un pavillon. Moi, je fais les crémaillères de HLM. Tu cherches quoi derrière moi? Pas que l'achat est tes égaux. Les gens qui ont le même rang social que toi, est-ce que tout le monde a le même rang social? Ton mari est blanc, le mien est noir. Hmm? Ton mari est blanc, le mien est noir. Tu sais quoi derrière moi? On t'a seulement envoyé ma... Madame la milliardaire. Va chercher, tu vas clasher avec quelqu'un d'autre. Et mon mari t'a dit que les crottes de nez là, qui mangeait ça le dérange. Depuis qu'il m'a connu, il mangeait ça et il aime ça jusqu'à... Tu vois pas comment il doit les biser dans ça. Hmm? Tu vois pas comment quand il donne la bise sur les crottes de nez là, il est heureux. Tu l'as pas vu?
ma chère. Voilà. Donc maintenant, Patricia, mais si tu veux vraiment que toi et moi on clash, si tu veux que toi et moi on se mette en clash, poste une vidéo avec ton mari où vous faites des bisous comme moi et fais les bisous avec mon mari là, je vais te clasher. Tu as compris? Le jour où tu vas poster une vidéo avec ton mari, oui, vous faites des bisous, je ne dis pas une photo, hein, une vidéo, vous faites des bisous comme pour moi et mon chéri que j'ai posté là. Où il dose ça même sur ma bouche là. Hmm? Il me perd même l'autre sur mon nez, sur mon front, partout là. Hmm? Il lèche même les cordes de nez là avec sa langue là. Le jour où tu vas faire ça, je vais te... oh, toi et moi on va se clasher. D'accord? Bon, maintenant tu me laisses tranquille, pardon. Je ne suis pas milliardaire. Je suis une pauvre débrouillarde battante, je me bats. Pour essayer de me sortir, pour essayer de joindre les deux bouts. Et avoir une place dans la société. Être respecté, considéré dans la société. C'est tout ce que je fais. D'accord? Quitte derrière mon cul. Petite ingrate. Tu n'es qu'une ingrate. Parce que j'ai donné un ton à ton événement. Et tu le fais. J'ai donné un ton à ton événement. Tu ne m'as pas payé. Même pas un centime, tu ne m'as pas donné. D'accord? Que la rose sort dans ça, s'il te plaît. Maman, je suis d'abord dans quoi? Tu m'as vu dans quoi, Sandra? Je suis dans rien, moi. Je suis dans mon coin. D'accord? J'ai donné un ton à ton événement pendant que personne ne voulait s'associer à toi. Tous les grandes, tes grandes blogueuses que tu considères, même ceux que tu appelles Diamant Bleu aujourd'hui, t'ont tourné le dos. Moi, j'ai été là. Hum? C'est quoi cette ingratitude? Tu as bien que toutes les grandes blogueuses, tu les avais contactées. Elles t'ont tourné le dos. Tu l'as oublié ou pas? Hmm? Même ceux dont tu lèches le cul aujourd'hui, Diamant Bleu par-ci, Diamant Bleu par-là, elle t'a pas laissé en plombe. Elles n'ont pas refusé. Tata Doudou n'a pas refusé. Et bien d'autres. Toutes ces grandes blogueuses-là. Hein? Moi, j'ai donné un sens à ton événement. Parce que ni n'aurait été mon événement. Moi, ton concept de best chef ne tenait même pas la route. C'était une soirée parisienne. Et d'ailleurs, la preuve, si je me rappelle très bien, Cameroun Afrique Japab l'avait dit, elle a dit que l'événement s'est bien passé, mais c'était tout sauf un concours de cuisine, c'est pas faux. C'était tout sauf un concours de cuisine. Parce que pourquoi j'ai gagné le prix de best chef? Parce que j'étais la seule qui a cuisiné. Et c'est mon merci. Hmm? C'est mon merci pour t'avoir fait quelques remarques. Toi qui es si intellectuel, ma chérie. Hein? Ne sais-tu pas qu'on fait des remarques à celui qu'on aime? Et tu trouves que la reine Mabio n'est pas respectée. Elle devrait faire la part des choses. Et respecter son âge. Maman Emilienne Sakai, je ne parle pas de la reine Mabio ici. Apprenez à respecter les directs des gens ici. J'ai bien écrit la patouche. Je n'ai pas un problème avec la reine Mabio, donc ne viens pas parler d'elle ici. Voilà, je ne parle pas de la reine Nebio. Je parle de Patricia. Prenez la part des choses. Emilienne Sakai. Je n'ai pas un problème avec la reine Nebio. Et non plus même avec Patricia, mais je suis là pour établir, pour essayer de lui dire, ça dit deux mots. Et pour lui faire comprendre que son intellectualisme qu'elle dit être là, elle est loin d'être intellectuelle parce qu'elle est trop bête. Dans sa tête, là, c'est la noix, l'eau de la noix de coco qu'il y a dedans. Mmh. Chef Ryan était très fâché. Mmh. Ah, tu réponds à Sandra, d'accord, Emilien Sakai, excuse-moi. Tu réponds à Sandra, ok. Excuse-moi, Emilien Sakai. Ok, d'accord. Attends, moi, j'y sais, on va juste comment parler. Dépose-moi. J'étais chez moi tranquille. Moi, j'étais oublié depuis. Était oublié. J'ai fait une seule remarque et ce qui était de ça était oublié depuis. C'est toi qui es parti dans la directe de la reine Mabio, soulevant encore mon nom là-bas alors que je ne suis pas dans vos choses. Tu me mets dedans pourquoi? Hmm? Je viens te dire de me déposer. Tu dis comment? Je cuisine les crocs de nez à mon mari. Et alors? Mon mari est venu se plaindre chez toi que les crocs de nez que je lui cuisine là. Je peux prendre le charme alors.
Toi, apprends d'abord à cuisiner. Toi-même, tu nous as dit ici que toi, tu ne sais pas cuisiner. Non? Comme tu ne sais pas cuisiner, là. Tu ne sais pas que dans la vie, chacun a un truc spécial. Puisque toi, tu ne sais pas cuisiner. Hum? Comme les soins, hein? C'est pas moi qui t'ai enceinte, hein, pardon. J'ai ta grossesse là-bas. De la femme de troisième âge que tu es. Aujourd'hui, tu nous dis que Amo, c'est ton grand frère. Comment ton père peut être ton grand frère? La Rose. Le corps était dans le moulin. Bah, te chef. Oui, c'était des lampiens. J'avais accumulé ça bien, j'ai fait un gros sachet, tous les jours j'enlevais et gardais. J'ai eu un gros sachet de croque de nez. Ça m'a servi de crevette de manjanga. C'est ça qui était dedans comme le manjanga. Tout le monde a marié, ça, je suis sorti même à la télé. Patrice, as-tu oublié que je suis sorti à la télé? Quand on a déjà publié ça. Je dis que ça chauffe pas. J'étais dedans, oh, je ne suis plus avec personne. C'est mon ingrédient préféré. Je ne fais rien sans mettre de la croque de nez dedans. C'est mon secret. Donc, comme Patrice n'était pas au courant, il te dit alors. Donc, maintenant, tu le sais. La fois, ma cousine enceinte, ma mise là. Ah, vous êtes là, enfin. C'est vraiment la veille du matin, madame. J'ai fait aussi vite que j'ai fait. Ah, c'est pas bien grave, je ne sais que c'est autrement. Assez-moi, s'il vous plaît. Maman, tu t'es enceinte, hein? J'ai été pris par votre père. Quand tu as décidé de prendre une grossesse de troisième âge, moi, je n'étais pas là, hein? Voilà, si ta besoin de troisième âge, je te dépasse là-bas. Elle te fatigue. Elle te donne tes nerfs. Pas un verset ternaire sur la personne qui t'a engrossé, c'est pas moi. Le réseau peut avec quoi? Voilà. Et tu vas envoyer prendre une grossesse à ton de troisième âge. Moi, je suis assise ici avec ma part de troisième âge. Moi-même, j'ai cherché ça jusqu'à. Dieu a refusé. Je ne savais pas que Dieu était en train de me faire du bien. Comme on dit souvent, quand quelque chose de malheur est bon. J'ai cherché ça jusqu'à. Tu me vois là où je remplis là, je suis rempli là. C'était les hormones, hein? Cherchais la grossesse du troisième âge. Dieu a refusé de me donner. J'ai lavé ma bouche, ça, je suis resté à ma place. Voilà. Là, voilà, le problème, il est là, Seigneur. Tu es devenu une vendeuse. C'est pas parce que je suis une vendeuse qu'on va me provoquer. Vous êtes dit capable de. Je mets mes yeux en sécurité. Je bagarre. On ne chauffe pas. Va dire à ta Patricia, je me laisse tranquille. Vous voyez, j'ai eu ce problème là-bas. Elle ne peut pas, elle ne veut un problème, elle ne va pas me forcer à les ramener dans un problème qui n'a rien à voir avec moi. Voilà. Elle me dépose. Voilà, va dire ça à Patricia avant de venir me dire que la Rose sort des problèmes. Hey, que je vends, je suis devenue vendeuse. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis vendeuse depuis. Je n'aime pas commencer à vendre aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que tu me connais sur Facebook. Même la nourriture que je cuisinais là, je la vendais. Je ne la cuisinais pas pour la manger. D'accord? Donc ma vendation n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé la vendation. Ce n'est pas comme si c'est aujourd'hui parce que je vends les savons que. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé dans la vendation. Hein? Je suis dans la vendation depuis que je suis sur Meta. J'ai toujours vendé. Donc, on a dit à ta Patricia, je veux courir la paix. J'ai eu ce problème là-bas avec Nadia, son papa. Et tout, et tralala. Je ne suis ni de la Russie. Je ne suis ni de. De l'Allemagne. Je ne suis ni de la team de la vérité. J'ai défendu monsieur, mais sans une place.
Voilà, depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez que moi, je ne suis pas dans les groupes. Les histoires des groupes, que, oh, non, je ne suis pas dedans. J'ai défendu M. Messin une place. Voilà, et j'avais mes arguments qui allaient avec. Donc, on va dire à Patricia de s'adresser là-bas à ces gens avec qui elle est en parade. Voilà, qu'elle ne pense pas qu'elle va profiter du fait que elle a enfin que c'est pas moi qui l'ai engrossé. Voilà. Elle-même ramasse les problèmes des gens ici. Elle s'assoit sur ça. Elle décrypte. Elle va passer, lui a fait deux, trois remarques qu'elle va venir s'accrocher sur moi. Hein? En gros, elle est revenue sur la scène. On s'appartient quand un jour elle est une. Oui, mais elle va pas revenir sur la scène sur moi. Hein? Mmh? Mmh. Parce que ça, elle est ma soeur d'où? Je suis née d'une famille de 5 enfants. Nous sommes 3 filles. 2 garçons. Les 2 garçons sont partis. Nous sommes restés 3 filles. 2 en France et une qui est au Cameroun. Elle est ma soeur de ses côtés. On t'a dit que je suis là pour la recherche. Chercher les soeurs. Hum? Sandra, on t'a dit que je suis sur mes tables pour chercher les soeurs. On va dire à ta passion, c'est mon collègue à paix. Et mon mari ne s'est pas plaint, il aime les cordes de nez que lui cuisine. Que son mari cuisine au caviar. Mais on a attendu que le mari réponde l'autre jour. Il n'a pas répondu, hein. Il a venu s'asseoir là. Chérie ne répond pas. Chérie est absent. Tu n'as pas regardé dans la maison pour voir si chérie était là ou pas. Hmm? Tu n'as pas regardé si chérie était là ou pas. Avant de venir faire ton one man show qui... où tu t'es foutu la honte toi-même. Hmm? Tu n'as pas vu. Patricia, j'ai même. Colle-moi la paix. Je ne suis pas là pour les faux vues. D'accord? Moi-même seule, avec mes réels, j'ai les réels. Mes réels font les 500 vues, 1000 vues. Ce qui n'ont rien à voir avec le clash. J'ai un blog seul à l'heure là. Je ne vais pas, tu ne vas pas m'amener à salir mon blog. Je suis désolée. Voilà. Mon blog est trop sain. Et tu vois comment il te parle là, non? J'ai pas besoin de crier pour te parler, Patricia. Si c'est toi, tu vas venir allumer ta caméra, tu vas crier. Le président qui dit qu'il vous a reçu à l'arrêt bus. Et maintenant, mais il vous dépose. Oui, président Mahmoud. T'as qui est mon grand frère. Donc, il est ton... Je suis ta grande soeur. Comment tu peux être la grande soeur de ton père? T'es un peu ton père. La fille prodige qu'on reçoit à l'arrêt bus. La fille prodige. Pardon? Patricia, mais c'était ce que moi je voulais te dire. Patouchou. Ma Patouchou. Patouchou. Notre ondolène de Charon, c'était trop bon. Toi-même, tu sais que les gens ont aimé, non? Au moins, c'est la seule belle chose que tu as fait. Toi-même, tu es en train de vouloir gâter ça. Là, comment tu es? La seule bonne chose, belle, jolie, des choses que tu as fait. Que tu as fait. Qui a fait en sorte que les gens te regardaient déjà autrement. Regarde comment tu es en train de gâter ça. Tu es en train de vouloir gâter ça toi-même seul. Regarde d'abord la photo que j'ai. Tu as vu ton manque, la présentation me mettait au rendez-vous. Top, bien, beau, joli. On t'a fait ça au village. Faut me laisser, hein. C'est pas moi qui t'ai enceinte. C'est pas moi qui t'ai enceinte. Hein. Et donc, Yamino, Sandra, arrête tes commentaires là, sinon ils te bloquent.
Tu m'as vu là, quel problème? Là, on m'a parlé. Quand tu me vois là, je suis en train de parler, je suis posément dans ma position. Dans ma position, là, il parle. Tu m'as vu crier. Je dis deux mots de la même famille à ma patouche. Je t'ai juste demandé de te ressaisir. Maintenant, si tu ne veux pas te ressaisir, ma chérie, vas-y, fais vers, mais pas sur moi. Tout le monde discute quoi? Milliardaire, je ne suis pas. Marie à un blanc, je ne suis pas. Immobilière, je ne suis pas. Rentière, je ne suis pas. Toi et moi, on va discuter quoi? Hein? Tu peux soulever l'aspirateur? Hein? Tu peux soulever l'aspirateur? Non? Et moi, je ne peux même pas venir travailler chez toi pour commencer. Malgré que c'est mon métier, mais je ne peux pas travailler chez toi. Je ne peux pas travailler chez toi. Même si tu peux avoir l'agence auquel je travaille, quand j'arrive là-bas le premier jour, je prends mon téléphone en même temps, je dis que non. Cette cliente chez qui vous m'avez envoyé, je suis désolée, mais je n'ai pas envie de la faire. J'ai ce droit. Je n'ai pas envie de travailler ici. Ils vont me dire pourquoi? Pour des raisons personnelles. D'accord? Et ils vont me changer de client. Helico Presto. Ils vont me trouver un autre client. Helico Presto. Hein? D'accord. Donc, Patricia Gemel, colle-moi la paix. Dépose-moi. Je ne suis pas ton calibre. Cherche tes calibres pour clasher avec. Je ne clasherai pas avec toi. Je ne vais pas clasher avec toi. D'accord. Toi et moi, on va se dire quoi? On va se dire quoi? Moi, je clash avec mes collègues. Tu n'es pas ma collègue. Tu n'es pas ma collègue nulle part. Je ne suis pas rentière. Hein? Corinne, je ne suis pas ta BS. Je ne veux plus te voir dans mes lives. Corinne Mireille, voilà. Va commenter là-bas. Vous avez votre nouvelle patronne ou ses diamants verts ou ses diamants rouges. Je ne suis pas ta BS. Moi, je n'aime pas les hypocrites. D'accord? Tu ne fonctionnes pas avec les hypocrites. Va là-bas. Je ne te bloque pas, mais je te le dis, Hora. Oui. Ne m'appelle pas ta BS. Aux dernières nouvelles, je ne sais pas si tu es parentale avec mon mari ou pas. Je ne suis pas ta BS. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Oui, c'est elle. C'est cette Corinne-là. Elle se balade un peu trop. Elle se balade un peu trop. Donc, ne viens pas ici, là. Vos hypocrisies à deux balades. Ne viens pas ici. Mais taper l'hypocrisie. Je te tape sec. Aura. Et je ne suis pas. Je suis pas ta BS. M'appelle plus jamais ta BS. Va là-bas. Vous avez votre nouvelle team. Va là-bas. Tu es maintenant de la TKC. Va là-bas. Tu balades dans les murs des gens avec, comme les mauvais esprits. Si tu veux, tu pars là-bas me laver. Il n'en a rien à foutre. Mais mon direct, je m'adressais à Patricia Mel. Patricia Mel, tu me déposes. Je voulais juste te confirmer que oui, effectivement, je cuisine les cloques de nez à mon chéri. Je fais les cloques, je cuisine la rose. C'est une coigneuse de tête. C'est elle qui a appelé chez Canado pour mentir. C'est elle, oui. C'est la Corinne, là. C'est elle. C'est Corinne Mireille qui vit au Canada. C'est elle. Je la connais bien. C'est une grosse cognée de tête. Corinne, quitte mon live. Ah. Je ne suis pas ta BS. Donc, Patricia Gemel, je te dis, je te confirme que oui, effectivement, je cuisine les crottes de nez à mon mari et il les aime très bien. De la même manière que je l'ai cuisiné au salon Hoche. Et tous tes invités ont aimé. Bonsoir, Rosine Ndangue. Tu fais pas bien et bien propre. Rien à dire. Voilà. Et moi, je n'ai pas envie d'entrer dans les insultes avec toi. Parce que je ne vais pas descendre aussi bas que toi. Patricia Gemel. Je garde encore un peu, un minimum
de respect pour ta personne. Si toi, tu connais pas la honte, moi, je connais la honte. D'accord? Voilà. Moi, au moins, je cuisine les cloques de nez. Mais je vais pas entrer là-dedans. Hein. Faut pas me, tu vas pas me pousser à entrer là-dedans. Je te le dis. D'accord? Voilà. Et mon mari, il aime mes cloques de nez. Et les mêmes cloques de nez, je l'ai cuisiné au salon Hoche. Online, c'est ça qui m'a servi de manjanga. Tu vois? Oui. Il a versé ça dedans que son coton. Maman. Mm-hmm. Et tes invités. D'ailleurs, même la reine Nembe te l'avait déjà dit non. Qu'elle a mangé, c'était bon. Maintenant, elle ne sait pas si elle a. Elle a quand même dit que la reine Nembe, c'est pour ça que j'aime son affaire. Elle a dit que j'ai mangé, c'était bon. Mais maintenant, s'il y avait les coques de nez déjà, il ne sait pas. Voilà pourquoi j'aime souvent l'affaire de la reine Nembe. Voilà. Et maintenant, fais-toi une personnalité parce que tu n'en as pas. Tu t'accroches aujourd'hui sur la reine Mebio. Tu es milliardaire, tu as l'argent, tu as tout ce que... Mais tu n'as pas une personnalité, il te manque une personnalité. C'est parce qu'avec autant d'argent qu'on est milliardaire, on ne peut pas s'acheter une personnalité. Demande où on vend la personnalité parce que tu n'en as pas. Parce que toi, tu t'accroches derrière les gens. Aujourd'hui, tu t'accroches derrière la reine Mebio. Hmm? Et ce que je vais te dire, c'est que quand tu t'accroches derrière elle là, accroche-toi bien. Voilà. Tu dois valider tout ce qu'elle veut. C'est bon rêve, c'est mauvais rêve. Tu dois souvent valider. Parce que le jour où tu ne valideras pas, le sort qui t'est réservé, tu vois ce que Lolo est en train de vivre, non? Tu vas vivre le même sort que Lolo. Oui, 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 oui. Hein? Elle-même va t'appeler Gronita. Qui aurait dit que la reine Mebio pouvait appeler Lolo, Lolo, pipi, ting, 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 pantalon, c'est ting, ting, machin, tout là. Alors que c'était un jambop la puissance. Jambop. Jambop. Jambop la puissance. Donc, toi, ton CDI derrière la reine Mebio, c'est signé à vie. Tout ce qu'elle demande, tu dois seulement donner. Bonsoir, Naïs Anita. Tout ce qu'elle va voir, tu dois faire. Le jour elle veut venir à Paris, elle dit que paye-moi le billet d'avion, tu payes. Voilà. Parce que tu n'as pas de personnalité. D'accord? Tu ne viens pas me parler. Moi, je suis une femme, je suis remplie de valeurs. Et j'ai une personnalité à chier. Ce n'est pas parce que je t'ai respecté que tu penses que, même avec tes milliards, je ne te vois pas. Je te snobble au feu sort. Donc, tu me colles la paix, wesh. Et tu me laisses avec mes coques de nez. Voilà. Si tu veux maintenant, va me payer une citation directe que j'aime faire manger des coques de nez à tes hôtes. Je viendrai répondre. Bonsoir, Rosine Nangue. Bonsoir, ma fille chérie. La Rose, est-ce que tu as déjà vu partout? Dis non. Ah. Non, mais elle ne peut pas, mais c'est pour ça que je dis qu'elle est obligée de voilà. Elle n'a pas le choix là où elle est partie. Là. Elle tente, elle va lire l'heure. Hein? Je prends un coup de fil, ça peut être l'argent. Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil, ça peut être, c'est sûr que c'était l'argent, mon incap. Quand il s'agit de l'argent, la maman, elle coupe d'abord. Coucou Zena, la guerrière. J'ai eu un coup de fil, c'est une cliente. Je lui ai dit que je la rappelle après le live pour qu'on finalise. Vous voyez que quand c'est l'argent, on est une cape. Mm. Donc, je t'ai même encore dit ans que quoi? Qu'elle ne peut pas. Qu'elle tente. Elle va lire l'heure. Donc, elle est obligée de marcher au pas de la reine Mebio. Mais seulement quand tu pars, n'amène plus mon nom. Patricia. N'amène plus mon nom. Patricia Gemel. N'amène plus mon nom là-bas. Colle-moi la paix. D'accord? Et moi, je ne vais pas clasher avec toi. Toi et moi, on va clasher, on va se dire. Tu connais laver le sol. Tu es enfant des milliardaires. Tu connais laver le sol. Tu sais tenir l'aspirateur. Tu sais comment tient l'aspirateur. Tout le monde va parler de quoi? Hein? Tu sais passer la serpillière. Bonsoir. Manis Cake. Est-ce que tu sais passer la serpillière? Tout le monde va parler de quoi? Hein? Donc, dépose-moi. Tu as compris? Faut me déposer. Voilà. Faut me déposer. On n'est pas du même acabit. Ton acabit, tu es ici. Moi, je suis là. Et je me plais là où moi, je suis. Voilà. Et s'il faut être là,
pour être comme toi, mieux rester ici. Si je dois être ici pour te ressembler là, je préfère rester là. Donc, pardon, dépose-moi. Hein? Tu me déposes. D'accord? Voilà. Et je t'ai dit un défi que je te donne, le seul. Mon mari pour qui je cuisine les côtes de nez. Je te dis et je te répète. Le jour où tu vas faire une vidéo, attends, il te montre. Hein. Il te montre partout. Partout chou. Ma partout chou. Partout chouchou. Partout chouchou. Partout chou, je te n'aime. Partout chou, je t'aime. Papa. Pas penser que je te déteste. Moi, je te déteste pas, hein, ma. Pourquoi je te détesterais-je? Pas toujours. Oh, toi aussi, pourquoi tu montes pas, là? Oh. Aïe. Le téléphone, c'est... C'est ça, non? C'est pas ma page marque la rose ici. Vraiment, c'est grave. Ok. Je voulais montrer à partout sur la vidéo que je veux qu'elle fasse. Voilà ça que... Et... Ici, je marque la rose, non? Pour la publication. Ah, la publication, non. Le téléphone, c'est parfois m'énerve. Corinne, je t'ai dit que quitte mon live. Va chez ta nouvelle patronne là-bas. Comme toi, tu veux manger dans tout. Tu veux manger partout. Hein? Tu veux manger partout, partout. Partout, c'est toi qui veux manger. Va là-bas. Tu veux quoi ici? Hein? Voilà, voilà ça. Partout. Le jour où tu vas faire le genre de direct, c'est là. Une vidéo comme ça, avec ton mari. Toi et moi, on va clasher. Toi. Tu t'es dehors, fiston. Pas toujours. Pas toujours. J'attends une vidéo comme ça. Tu vois comment il mange les crottes de nez là, regarde. Mais il aime ça. Mon mamour. Mon mamour. Hey, mamour, mange encore, mange. Mange les crottes de nez, mamour. Maman, regardez. Un couple avec les dents blanches. Le bon plantain, lui. Bon, Patouchou, j'ai fini avec toi. Donc, le jour où tu vas faire une vidéo comme ça, avec ton mari, hein, toi et moi, on va clasher. Mais, fais une vidéo comme ça, là, avec ton mari, oui, toi et moi, on clashera. Tant que je ne vois pas une vidéo comme ça de toi, je vais jamais te clasher, wesh. Et tu m'assois comme ça, la vie, je vais te dire ce que je pense.
Blanche aimée, tu dis que quoi? Mais c'est quoi cette vieille chouette là? Vieille chouette. En vrai, c'est la vieille chouette que tu vois là, non, Blanche aimée. On va faire comment? Ça laisse qui? C'est Meta. Meta, c'est le cardio. Donc, le challenge là, il... Ah oui, j'attends. Si vous me dites, vous m'envoyez la vidéo de partout, chou. Avec notre beau des beaux, le beau 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 beau, le beau des beaux, le pam kala. On dit qu'il est 60 quoi. C'est pas moi qui dis, hein. Facebook a dit que c'est un 60 génère, ou c'est 70 génère. Voilà. Nous deux, les femmes du troisième âge. Moi, je suis du troisième âge, hein. J'ai les cheveux blancs. Attends, je te montre. Je rigole pas. Voilà les cheveux blancs ici. Tu vois. Voilà. Mais tu as vu, j'ai le bon plantain, moi. Je te le montre encore. Avec les cheveux blancs. C'est chez toi. C'est arrivé. Oui, elle est arrivée chez moi, maman. Oui. À tout. Avec les cheveux blancs. Nous, les vieilles chouettes du troisième âge. Hein? Moi, je n'ai pas un septantagénaire. Le mien, il n'est pas septantagénaire. Peut-être moi, c'est moi-même la cinquantagénaire. Hé, hey, regarde. Maman, mange un peu de crotte de nez là. Je vais y aller, vas-y, mange. Vas-y, maman, on va. C'est pour les faibles. Allez, maman, allez. Ah oh, ouais. Hey. 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 Tu vois? Oh, le goût! Le goût du plantain noir! Bon plantain, bien mûr! Bon! Pas tout chou! Faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser, hein? Faut pas fâcher! Pas tout? Pas tout! Ma patouchou, je t'aime, bisous, patouchou. Faut pas fâcher, hein? Nous s'amuser. Prends soin de mon petit, le petit bébé qui grandit là. Voilà. Parce que je vais venir faire le voix bébé. Je vais cuisiner le ndolé au crotte de nez. Ouais. Voix bébé. C'est moi-même qui vais m'occuper du voix bébé. Notre petit doudou. Notre petit bébé. Je vais cuisiner le ndolé au crotte de nez. Je vous aime, c'était moi. Bisous là-bas. À couper.